Sa mort avait été un choc pour les Français. Le 16 septembre 2009, Philippe Nocolic, 35 ans, décédait d'une overdose médicamenteuse. Le chanteur et membre emblématique des deux Beat 3 laissait derrière lui son ex-femme Valérie Bourdin, sa belle-fille Tanel et sa fille Sacha, âgée de 3 ans au moment du drame. Née dans l'ère du numérique, cette dernière est devenue une véritable star sur Instagram. Suivie par plus de 41 000 internautes, elle possède un compte où elle partage son quotidien d'adolescente. Son physique de mannequin et sa maîtrise parfaite des réseaux sociaux lui permettent de comptabiliser plusieurs milliers de mentions « j'aime » sur chaque photo publiée. Les derniers clichés de ses vacances, où elle apparaît au bord de l'eau, n'ont pas fait exception. Mais c'est une autre photographie, postée dans sa story Instagram, qui risque d'attirer toute l'attention. En effet, sur celle-ci, la jeune femme, désormais âgée de 16 ans, ressemble comme deux gouttes d'eau à sa mère. Même chevelure, même lèvres, même regard, pas de doute, Sacha Nikolic est bien la fille de Valérie Bourdin. Sur le cliché en question. Leur ressemblance est tout simplement frappante. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir également hérité du charme de son défunt père. D'ailleurs, en septembre 2020, elle avait fait de timides confidences concernant sa disparition. Dans les colonnes de Gela. L'an passé, ça a été dur pour moi. Mon père me manque. Ça me fait un coup au cœur quand les autres parlent de leur papa, avait déclaré avec émotion la belle blonde. Au quotidien, Sacha Nikolic côtoie de nombreux enfants de stars. En effet, elle est scolarisée à l'école internationale bilingue, EB, à Paris. Tout comme Joël Lucas, le fils de Yannick Noah, Paloma et Raphaël Friant, les enfants de Bob Sinclair ou encore Stella. La fille de Jean-Paul Belmondo. Du beau monde qui lui rappelle l'absence de son propre père, mais qui l'aide aussi à aller de l'avant.